Lucerne peaufine la préparation du premier match de phase finale de Pro D2 de son histoire. Après une 7e place l'an dernier, les Nivernais ont attendu la dernière journée pour arracher leur qualification face à Aurillac. Premier objectif rempli, mais le groupe veut maintenant voir plus loin. Ça s'est fait attendre, cette qualification, et maintenant on l'a, mais c'est pas pour ça que l'objectif initial est atteint, mais c'est pas pour ça qu'on veut s'arrêter là. Ça serait idiot de notre part de penser cela. Face à Nevers, un gros morceau, Bayonne, 3e de la saison régulière. Les Basques sont montés en puissance tout au long de l'année et seront les favoris de cette rencontre. C'est à l'extérieur, puis surtout c'est à Bayonne, donc c'est pire que l'extérieur. On sait qu'on va avoir un public qui soutient énormément son équipe. Voilà, c'est comme ça, on aurait pu recevoir, on n'a pas réussi à le faire, mais tant pis pour nous, c'est à nous à faire quand même quelque chose de grand. Peut-être que même sera peut-être plus facile pour nous aujourd'hui. Car Lucerne viendra avec des ambitions. Au cours des 2 mois sans victoire, les difficultés ont soudé le groupe. Et Nevers, 8 fois leader cette saison, a montré des qualités. On croit vraiment notre chance, parce que voilà, c'est un match de phase finale, c'est carte blanche par rapport à la saison, c'est un nouveau défi avec un nouvel objectif. Et donc non, on n'y va pas du tout battu, on y va pour jouer notre rugby. Et ça sera sûrement l'équipe qui a le plus envie qui remportera ce match, donc voilà, on va donner tout dans la bataille. Si les Nivernais se sont inclinés à Bayonne en octobre, ils en étaient repartis vainqueurs l'année dernière. Pour prolonger la saison et aller défier Oyonnax, une seule solution, rééditer l'exploit ce samedi.